another round of applaudissements. Le trophée Rebranding Africa Media Leadership Award est décerné à M. Christian Moussa Kwadwo, directeur général de Radio Je suis Christian Moussa Kwadwo, président RDC, né à Lille. Radio d'information en République démocratique du Congo. Bonjour, bienvenue en RDC, merci d'accorder cette interview exclusive à Top Congo FM, première radio d'actualité. La RDC est ma patrie. J'ai grandi entre les deux, mais reste l'homme d'un continent, l'Afrique. J'ai fait mes classes à Bruxelles sur Radio Panique. Africa numéro 1 m'a fait pratiquer l'Afrique au quotidien. Et aujourd'hui, c'est de Kinshasa avec Top Congo FM que j'ai créé il y a 22 ans, que je diffuse sur le continent et sur le monde. La première radio d'information à RDC est aussi la plus suivie. C'est celle d'un fils de la diaspora rentré faire travailler sœurs et frères au pays. Et c'est vrai, la rédaction qui fait l'info, c'est pas le commercial. Merci à toute l'équipe, merci aussi à toutes les radios leaders. Elles sont plus de 400 à relayer le signal en FM de Top Congo FM dans toute la République démocratique du Congo. Cet award, je le dois aussi à ma famille. Ma femme qui est ici, à mes enfants,
joignons aussi à mes parents. Et je pense aussi aujourd'hui à celui qui n'est pas là pour voir tout ça. J'ai cité mon père. Je vais aller très vite parce qu'il y a toujours beaucoup d'émotions. Il est parti à 6 ans. Mon père, le docteur Lusakuno, qui m'a tellement soutenu et qui a beaucoup cru en moi. Merci, papa. Car hier, on me disait que pareil projet est impossible à faire au Congo. On était tous confortablement assis en Belgique. Tu ne peux pas le faire, tu ne peux pas y aller. Il n'y aura jamais la réponse, il n'y aura jamais les compétences, il n'y aura jamais la patience, il n'y aura jamais la rigueur au Congo. Cet award dément tout ça. On me disait que c'était impossible de faire ça au Congo car c'est un pays difficile. Et là, je vais surprendre. Oui, je le confirme, c'est un pays difficile. Mais comme beaucoup l'ont dit ici au Rebranding Africa Forum, tout ce qui